Les gars, il est arrivé quelque chose de très 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 grave au Tenge Tenge. Nous nous situons à sa cabane dans la forêt. Et venez avec moi, venez, on va rentrer à l'intérieur de la cabane. Et vous allez voir, c'est horrible. Regardez ce qu'on y retrouve. Il y a des taches de sang et des giclées de sang partout. Et ça, là, regardez les gars. Ça, c'est la tenue du Tenge Tenge qu'il utilise dans toutes ses vidéos populaires sur TikTok. Je vous mets une image maintenant. Oh mon dieu, mais là c'est horrible. Elle est complètement tachée de sang. Forcément, il s'est passé quelque chose de très 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 grave. Regardez encore une giclée de sang juste ici là. Et là, regardez, là, juste là, là, du sang encore partout. Il y en a de partout, c'est horrible, vraiment. Je passe donc maintenant en mode inspecteur gadget. Et oui, nous allons inspecter et enquêter toute cette forêt et tout le périmètre autour de la cabane du Tenge Tenge. Ok, alors là je vous le dis, la piste principale c'est les taches de sang. On a retrouvé énormément de giclées de sang partout autour de la cabane. Et je pense que c'est une très très bonne piste. Viens avec moi. Regardez là déjà, énorme giclée de sang là. Il y en a un peu partout comme ça. Donc je pense que si on continue à suivre toutes les taches de sang qu'on retrouve, ça pourrait forcément faire avancer l'enquête. T'es bien d'accord avec moi, Raph, hein? Ah bah oui, bien sûr. Ok, bah vas-y, alors on y va, on continue. Regardons surtout tout autour de nous, essayons de quadriller tout le périmètre. Là-bas, c'est la cabane. Mais regardez tout autour, tout autour, tout autour, les gars. Eh, attends, Raph, regarde mais là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde là. Attends, c'est une affiche, non? Regarde sur les arbres, il y a des affiches qui sont collées sur les arbres. Approchons. Oh. Mais regarde, c'est le Tenge Tenge. Mais quoi? Mais regarde ça, Raph, le Tenge Tenge est mis à prix. Mort ou vivant, Rango Tenge Tenge. Une prime de 320 millions de dollars. Mais quoi? Mais ok, tout s'explique. On compromet maintenant toutes les taches de sang qu'on a retrouvées autour de la cabane du Tenge Tenge. Non, ok, faut continuer par là. Ok, on est sur la bonne voie, les gars, là, regarde, là-bas. Les gars, venez. J'ai encore une affiche. Encore une affiche. Le Tenge Tenge est mis à prix. Mais sérieux, non, c'est horrible. Le Tenge Tenge est devenu une cible. Il est peut-être mort. Il a peut-être été tué. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie là. Là, on est sur une très très grosse enquête. Nous allons forcément avoir besoin de tout votre soutien, les gars. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Mais moi, en tout cas, là, je sens que c'est dangereux. Je sens que cet environnement est très très dangereux. C'est pour ça que je suis armé, les gars. J'ai une hache dans ma veste. Au cas où s'il se passe quoi que ce soit, je suis prêt. Prêt à dégainer, moi. Raph, t'es armé, toi? T'as quelque chose avec toi? Non, j'ai rien du tout, Robtech. J'ai aucune arme. T'as rien du tout là? Ouais. Non, mais là, c'est chaud. Ok. Écoute, on va essayer de se fabriquer une arme. Ok. Raph, t'es chaud, mais quoi? Comment on va faire? Dans mon sac. Dans mon sac, j'ai quelques matériaux. Regarde, dans mon sac, les gars. Normalement, là, je crois que. Regarde, j'ai récolté des grosses pierres comme ça, tu vois, des gros silex bien tranchants. Et normalement, dans mon sac, j'ai de la ficelle. Voilà, j'ai de la ficelle. Je dois juste la trouver, un bon gros bout de bois bien solide. Attends, laisse-moi chercher. Viens. Là, juste là, regarde. Pas mal. Plutôt robuste, plutôt solide. Tu dispositionnes la pierre juste comme ça. Et ensuite, après, on l'attache avec la corde. Ça va te faire comme une sorte de hache, mais vraiment, vraiment très, très destructrice. Hein. D'accord, ah là, d'accord. Ça doit faire du dégât avec ça. Hein. Ouais. Et voilà, on serre bien fort la cordelette autour du bout de bois. Et là, je te le dis, ça te fait une arme assez efficace. Je pense que ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Tiens, je te la donnerai. Prends ça. Là, maintenant, on est prêt, on est équipé et on peut continuer à enquêter en toute sécurité. Allez, let's go. Prends mon sac et on y va. On y retourne. Allez. Moi, j'ai ma hache de toute façon, donc ça va le faire. On continue le chemin de toute façon, Raph. T'es d'accord, hein? Ouais, allez, on continue. Viens. Attends. Oh, là, Raph. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est une poupée vaudou. Les gars, on y retrouve une poupée vaudou avec une photo du Tenge Tenge. Non, mais regarde, il y a des bougies. Regarde, des bougies tout autour. Alors là, c'est bon, c'est sûr. Un rituel vaudou. Ça sent le rituel vaudou, ça. Là, je vous le dis, c'est de pire en pire. Plus on avance et plus on découvre des dingueries. Pauvre Tenge Tenge, il a subi des rituels vaudou. Non, mais attends. Oh, bah là, regarde sur l'arbre. C'est encore une affiche avec une mise à prix. Non, bah là, c'est sûr. À cause de ça, les gars, franchement, le Tenge Tenge a dû subir des atrocités. Bon, vas-y, on continue le chemin. Attends, Raph, on regarde tout autour de nous. Regarde tout autour, les gars. Essayons d'analyser le périmètre. Et en vrai, on a déjà traversé une bonne partie de la forêt. Et ça fait déjà beaucoup, beaucoup, là, quand même. Beaucoup de dingueries, là. Attends. Oh, Raph, attends. Regarde, là. Regarde par terre. Là, sur la branche. Regarde. Approche. Encore une tache de sang. Une tache de sang toute fraîche encore. Regardez. Oh là, c'est une dinguerie. Le Tenge Tenge a perdu beaucoup, beaucoup de sang. Je crains qu'il soit mort. Non, mais viens, Raph. Non, c'est une dinguerie, vraiment. Là, je crois que c'est l'une des plus pires vidéos que j'ai jamais pu faire sur ma chaîne YouTube, je crois. Non, sérieux. Attends, Raph, regarde au bout du chemin, là. Zoom pour voir.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça peut être? Ok, viens, on va voir ça. Je crains le pire. Je sais pas pourquoi je crains le pire, les gars, mais je vous jure, plus qu'on avance, plus c'est des dingueries. Regarde. Non. Mais c'est quoi cette dinguerie? Des branches d'arbres ont été superposées. Mais c'est un rituel vaudou. Regardez, on le voit tout de suite, les gars. Les bougies, la poupée vaudou au milieu. Non. Mais c'est quoi cette dinguerie? Les gars, mais j'ai l'impression qu'on a affaire à une organisation diabolique qui fait des rituels vaudou. Mais ça, c'est pour faire du mal au tengue tengue. Je vais détruire le rituel. Voilà, c'est bon. Faut tout retirer, faut tout virer. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Non, mais faut compter au moins 3 ou 4 rituels vaudou, là, depuis le début, là. Non mais là c'est horrible. On continue, je pense qu'il faut se dépêcher là. Viens Raph, on va courir un peu, on va se dépêcher. Viens. Stop, regarde là, à mes pieds, regarde par terre. Oh non, mais qu'est-ce que c'est? C'est le Scream, c'est le masque du Scream. Eh ouais. Non. Et regardez, on retrouve le masque du Scream. Ça c'est un très très bel indice. Alors ça nous fait fortement avancer dans l'enquête. Ça voudrait dire que le Scream a été impliqué de près ou de loin dans cette affaire. Non, et par contre, il y a pas que ça. Regarde, c'est quoi? C'est un Takiwalki ça. Ouais, c'est ça, c'est un Takiwalki. C'est une radio Takiwalki, les gars. Mais ça veut forcément dire qu'on a affaire à une organisation très 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 bien préparée et très très bien entraînée. Ça me fait encore plus peur. Attends, si je l'allume pour voir, est-ce qu'on va pouvoir écouter leur communication? Chut. On les entend parler entre eux. Ils communiquent avec leur radio Takiwalki. Wow, hey, je crois que j'ai compris qu'ils étaient en train de parler du Tengue Tengue. Attends, j'éteins. Non, c'est une dinguerie. J'éteins, les gars. Mais c'est quoi cette dinguerie? Viens, faut continuer. Ça, je vais pas le garder, je vais le jeter, c'est bon. Et voilà, c'est bon qu'on en est débarrassé. Viens, attends, on continue. Mais pourquoi tu l'as jeté? Ça pourrait être un élément très important pour l'enquête. Mais quoi? Mais ouais, t'as raison. T'as fait n'importe quoi. Mais non, mais voilà, comme ça, on en est débarrassé, on est tranquille. Non, mais là, j'avoue, j'ai peur. Je commence à flipper. Je crois qu'on devrait pas rester ici longtemps. On devrait quitter la forêt. Reste pas ici. Regarde derrière toi. Quoi? Juste là. Quoi derrière moi? Derrière l'arbre. Oh, c'est quoi? Regarde. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est le Tengue Tengue. Mais attends, mais regarde, ça ressemble encore à un rituel ça. C'est sûr. Attends, regarde au pied de l'arbre. Regarde là. Oh. Mais non. Regardez, ça c'est la poupée vaudou du Tengue Tengue. Et il y a des bougies, il y a un ciseau là juste là. Non, c'est bon. Tout est réuni, encore et encore un rituel vaudou. Non mais sérieux, ils ont enchaîné les rituels vaudou contre le Tengue Tengue. Non mais c'est bon, tout s'explique. Raph, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit faire surtout? Vraiment, je sais pas, mais ce qui s'est passé, c'est vraiment atroce. Hein. Viens. Mais regarde à tes pieds. Quoi? Oh, regarde là. Juste là. Oh ouais, bien vu Raph, bien joué. Mais attends, là c'est une trace de sang, une tache de sang là. Oh, attendez, regardez ce qu'on peut y lire là. Du sang humain. Mais non. Oh, ok, faut pas toucher. C'est sûrement l'ADN du Tengue Tengue. Je pense qu'ils ont récolté de l'ADN du Tengue Tengue pour ensuite pouvoir réaliser tout leur rituel vaudou. Bon, Raph, là maintenant, je pense que si on continue jusqu'au bout du chemin, on va arriver jusqu'à la route. Donc c'est ce qu'on va faire, on va continuer jusqu'au bout les gars. Et donne-moi cette caméra. Viens avec moi Raph. On va continuer tous ensemble. Mais attends, stop. Chut. T'entends? Ouais, il y a quelqu'un. Attends, faut se cacher. Raph, viens, faut se cacher. Là, derrière l'arbre. Là, cache-toi. Chut. Oh, t'es que j'ai peur. Attends. Là, il y a quelqu'un. Regarde. Oh. Cache-toi. Oh, c'est quoi ça? C'est un clown. Non. Purée. Oh, les gars. Non. Attendez, c'est sérieux. C'était un clown. Et heureusement qu'il nous a pas vu. Raph, heureusement qu'il nous a pas vu hein. Pff, oh là là, peut-être qu'on a vraiment eu chaud. Faut qu'on parte tout de suite. Ouais. Là, prends la caméra. Vite, on s'en va, viens, on part. Oh là là, il se passe littéralement des dingueries dans cette forêt, oh, les gars. C'est vraiment chaud hein. C'est chaud ici là, ça rigole pas. C'était un véritable clown. Attends, mais dans l'enquête, on peut déduire que c'est probablement les clowns qui ont procédé à des rituels vaudous pour faire du mal au Tengue Tengue. Ouais, mais écoute, de toute façon, on continue le chemin, on va jusqu'au bout, les gars, et je crois que ça mène jusqu'à la route. Donc ça peut être encore un élément très très important pour l'enquête. Alors ça vaut forcément de mettre plein de pouces bleus, et ça vaut aussi de s'abonner à la chaîne YouTube. Merci en tout cas pour tout votre soutien. On continue, viens. Et ça y est, Raph, nous apercevons la route. Bon,
ça y est, on quitte la forêt. Là, il y a la route. Il y a la route. Bon, on va continuer par la route. Ce sera plus prudent. En tout cas, les gars, il commence à beaucoup, beaucoup pleuvoir. Ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est pas ce qui va nous arrêter. Eh, hey, Raph, t'es d'accord, hein? Ouais, c'est pas ce qui va nous arrêter. Stop, stop, les gars. Là, c'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie ce qu'on peut apercevoir là. Regardez sur le bord de la route. Regardez. Et regardez, les gars. Mais c'est quoi la dinguerie? Mais c'est la tête du Tengue Tengue. Non. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Mais attends, je peux pas rester là, ça me prend aux tripes. Non, mais c'est une dinguerie. Mais sa tête paraissait grosse, non? Je sais pas si c'est réellement la tête du Tengue Tengue. Eh, Raph, viens, pourquoi pas retourner dans la forêt, peut-être? Ouais, viens, viens. Regardez, là, il y a le chemin principal tout droit, et là, il y a le deuxième chemin qui part par la droite. Là, je sais pas par où faudrait continuer, là. Raph, on fait comment? Bah, je pense qu'on devrait aller à droite par ici, parce que tout à l'heure, on est déjà allé tout droit par ce chemin-là. Ouais, c'est vrai, bah vas-y, on va par là. Allez, go, allez, go, go, let's go, go, let's go. On va par là, les gars. On continue, ça continue. Attends, stop. Regarde devant. Regarde devant, là, non. Juste devant. Non. Attends, recule. Recule, Raph. Mets-toi derrière moi. Attends, hey, doucement, doucement. Les gars, il y a un clown. Arrête, non. Partez d'ici, okay. Sinon vous allez finir comme le Tengue Tengue. Non. Allez, vite. Laisse-moi tranquille, arrête. Les gars, je me fais courser par le clown. Non, attends, mais c'est sérieux, vite, faut partir. Faut que je parte de la forêt. Vite, les gars, faut que je retourne jusqu'à la voiture. Faut que je me dépêche. Il est complètement fou, ce clown. Je crois qu'il va me faire du mal. Vite, je rentre dans ma voiture. Non, c'est fermé. Vite, on ouvre la voiture, les gars. Allez, je me dépêche. Oh non. Vite, rentre. Oh là là, on a eu chaud, Tech. Le clown nous a suivis. Prends la caméra, là, c'est chaud. Eh, je démarre la voiture. On peut pas rester là plus longtemps, les gars. Allez, c'est bon, je pense que c'est le moment de rentrer à la maison. Et on va se dépêcher, les gars. En tout cas, on peut conclure que c'est bel et bien les clowns qui ont réalisé des rituels vaudous contre le Tengue Tengue. Et ça, c'est pas étonnant, parce que je peux vous le dire que cette forêt est complètement infestée de clowns. Allez, désormais, je marque la fin de cette vidéo. Pour nous soutenir, tu peux mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, tu peux bien t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des autres prochaines vidéos. Allez, sur ce, c'était moi-même et Raph derrière la caméra. Allez, ciao!